Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Ça y est, j'ai rajeuni d'un an. Et oui, moi j'ai décidé qu'à partir de 55 ans, je comptais à l'envers. Et donc j'ai 53 ans. C'est chouette de rajeunir, non? Plus sérieusement, on se retrouve pour l'ouverture des courriers des abonnés. Il y en a trois sur mon bureau et il y en a un autre qui est tellement gros que je n'ai même pas pu le monter dans ma scrap room, c'est vous dire. Mais on verra ça à la fin. Avant d'ouvrir ces merveilleux courriers, je tenais à m'excuser auprès de Martine. Vous savez, Martine, c'est celle qui a inventé l'expression je suis en CP scrap. Et Martine m'a envoyé un superbe colis pour l'arrivée de ma petite fille Milly. C'était juste merveilleux, avec une magnifique couverture au crochet, des super ouvrages en couture. Elle a fait des sacs, des bavoirs, enfin bref, tout est super beau. Malheureusement, j'ai écrasé les fichiers. Et comme tout est chez ma belle-fille et mon fils, eh bien, je ne peux pas vous les montrer. Mais alors, Martine, c'était trop, trop beau. Tout le monde est super content. Et Mia, avec son petit sac licorne, je peux te dire qu'elle fait la fierotte avec. D'ailleurs, à propos de l'expression CP Scrap, vous avez été nombreuses à la reprendre à votre compte ou à me dire je suis en CE2 Scrap. Et bonne nouvelle, les filles, le conseil de classe s'est réuni fin juin. Et oui, je me suis réunie avec moi-même. Et vous êtes toutes passées en classe supérieure car vous avez toutes réalisé des superbes créations tout au long de l'année et je vous en félicite. Vous avez donc les félicitations du jury. C'est toujours bon à prendre. Bon, allez, trêve de blabla et on ouvre ces merveilleux courriers. On va commencer par l'enveloppe qui nous vient de Cathy de Portes-lès-Valence. Regardez cette carte. Elle est superbe. Oh là là. Elle a fait le fond là, mais elle est juste magnifique. Avec des ancrages, de la pâte à structure ici, le petit ruban, le petit chat avec le gâteau d'anniversaire, les petites fleurs montées en 3D. Oh, c'est mignon tout plein. Je viens de lire le contenu de la carte et zut, j'aurais dû l'ouvrir avant, mais j'ai attendu le jour de mon anniversaire parce qu'une copine m'a dit que ça portait malheur d'ouvrir ses cadeaux avant la date. Et je découvre que ton anniversaire était 3 jours avant le mien. Alors je te souhaite un joyeux anniversaire, Cathy, un petit peu en retard, mais je te le souhaite de bon cœur et je te souhaite plein de belles choses pour ton rajeunissement. Merci beaucoup pour cette très belle carte qui me fait très très plaisir. On va passer à la superbe enveloppe de Jeanne-Marie. Elle m'a fait une enveloppe, mais elle est vraiment magnifique. C'est très très joli tout ça. Oh là 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 là. Alors, il y a une petite enveloppe avec le petit chat. Alors, le mien là, il souffre, hein. Avec la chaleur, il n'est pas bien le vieux pépère. Regardez ça comme c'est joli et moderne à la fois. C'est vraiment très très beau. Il y a un travail là-dedans, mais on s'en rend même pas compte quand on regarde du premier abord. Mais il y a un super travail. Elle a embossé, elle a découpé ses triangles. Oh, tout est fait à la perfection. Elle est venue rajouter ses petites silhouettes de chat avec ses tons jour. C'est trop trop beau. Et regardez comment ça s'ouvre, c'est très original. Muriel, une pensée pour toi avec les petits cœurs. Je te souhaite un bon anniversaire. Amitié, Jeanne-Marie. Je trouve le principe super sympa. Et vous voyez comme les plis sont marqués comme ceci. Vous pouvez accrocher comme ça. Et comme ça, votre carte. Oh, elle est très très originale, ta carte Jeanne-Marie. Je ne connaissais pas ce principe, mais c'est vraiment très très sympa.
Trop trop belle cette carte et en plus je découvre des choses, j'adore, j'adore. Et puis comme elle sait que je suis une fana de l'embossage, elle a également embossé ces papiers déco bleus là. Oh là là, Jeanne-Marie, trop d'attention, trop d'attention. Mais Jeanne-Marie, c'est ma tata virtuelle. Alors on se connaît sans se connaître. Mais j'ai choisi Jeanne-Marie comme tata virtuelle. Ben oui, moi je choisis quel âge j'ai et je choisis ma tata. Puis elle s'est pas contentée de ça. Hein. Oh là là. Jeanne-Marie est super douée en couture. Elle m'a fait des maniques il y a quelque temps et je m'en sers toujours. Oh là là, moi qui suis nulle en couture, mais je vous admire les filles. Hein. Je vous admire. Regardez cette petite pochette toute mignonne, avec les pressions qui sont bien mises. Il y a du boulot là, mais moi je serais jamais capable de faire ça. Le petit embellissement comme ceci, bonheur. Ah ben c'est sûr que Jeanne-Marie, tu me donnes du bonheur, hein. Oh là 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 là, c'est vraiment mignon tout plein, vous voyez, avec le rappel de la couleur bleue là là. Trop trop beau. Je remets parce que c'est trop beau. Puis bien évidemment, elle pouvait pas se contenter de rien mettre dans sa pochette. Non, bah non, ce c'est pas du Jeanne-Marie autrement. Vous voyez comment c'est doublé, mais c'est à la perfection. Oh, dans la première pochette, on a des petits stickers en forme d'étoiles de toutes les couleurs. C'est très mignon. Des demi-perles toutes mignonnes. Petite enveloppe, plaisir d'offrir. Vous voyez, elle a collé son sticker que sur la moitié, ce qui permet d'ouvrir son enveloppe. Elle a réalisé elle-même l'enveloppe. Elle est venue même mettre une petite découpe. C'est très mignon. Et elle m'a fait des jolies étiquettes. Oh, 100% amitié. Merci. Bonheur. Un jour spécial. Oh, sont très beaux tes dailles de découpe de rond là. J'adore, j'adore. Oh là 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 là, oh ben ça va me servir ça. Et puis dans l'autre pochette, oh là 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 là. Oh alors ça c'est une superbe idée. Oh j'aurais dû y penser ça, mais c'est trop chouette. Elle a pris un emballage plastique comme ceci. Elle a fait plein de petites fleurs montées en 3D. Avec des demi-perles ou des dots, je ne sais pas, au milieu de ces fleurs qui sont vraiment magnifiques. Elle a tout mis dans sa petite boîte et elle est venue recoller un carton à l'arrière qu'elle avait préalablement tamponné. Et du coup, vous recevez ça et vous avez l'impression que ça a été acheté, mais non, tout est fait maison. Mais ça, c'est super pour faire des envois aux copines. Je trouve ton principe, Jeanne-Marie, je l'adopte. Allez, hop, je mets ça dans mon cerveau. Muriel, n'oublie pas l'idée, c'est trop, trop sympa. Jeanne-Marie, tu m'as beaucoup, beaucoup trop gâtée. Et puis en plus, tu m'apprends plein de choses. Et c'est ça que j'adore en scrap, c'est que j'apprends énormément avec vous. Parce que le principe de cette carte, je ne connaissais pas. Et ton emballage personnalisé, mais c'est une idée topissime. Jeanne-Marie, je te fais plein de bisous et merci beaucoup. On va maintenant ouvrir le colis de Muriel que vous connaissez sous le pseudo de Mamu45. Alors, Muriel, c'est la spécialiste du scotch. Je crois qu'elle fait exprès. À chaque fois qu'elle m'envoie de me mettre une couche de scotch supplémentaire. Espèce de chippie, Muriel. Eh ouais, toutes les Muriel sont des chippies, c'est bien connu. Alors, il y a une enveloppe sur laquelle c'est marqué Bon anniversaire, poulette de luxe numéro 1. Faut savoir que suite à une vidéo, on a blagué entre Muriel et Poppy. Et on s'est nommé les poulettes de luxe. Voilà, donc moi je suis la une, je ne sais pas pourquoi. Il y a la deux et il y a la trois. Enfin bref, on fait un sacré trio toutes les trois. Je peux vous dire que ça caquette, ça caquette et ça caquette. Bientôt on va pondre des œufs, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Oh, elle m'a fait une superbe carte. Regardez ça, j'adore cette image. C'est un papier d'action, ça. Je me rappelle, j'avais fait quelque chose avec ce bloc, mais je ne sais plus ce que j'ai fait. Et regardez par-dessus le mot, elle est venue mettre soit du glossy accent, soit de l'acrylique varnish qu'on trouve chez Action. Et ça donne un effet de relief. Là, vous en mettez et en plus ça brille. Vous voyez même le petit bout du nez, les petits yeux, tout ça, ça brille. Nos limites. Eh bien, en ce moment, c'est exactement ce que je suis. Je n'ai plus de limites. Je pète la forme. J'espère que vous aussi. Et regardez, elle a repris un de mes tutos. C'est super sympa. Sur le fil, c'est vraiment ça. Alors, par contre, moi, je ne marcherai pas sur un fil, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Déjà monté sur une échelle, j'ai la peur. Alors, c'est pas la peine. Oh, trop mignonne ta carte. Tu vois qu'il arrive, Muriel, à faire des cartes. Parce que Muriel, elle a des doigts en or. Mais les cartes, c'est pas son truc. Non, c'est pas son truc. Et pourtant, elle est superbe ta carte. Merci beaucoup, Muriel. Mais bah, si vous connaissez Muriel, vous devez savoir qu'elle ne s'est pas contentée d'une chose. Bah non, bah non, bah non. Regardez-moi ça. Si ça vous donne pas envie d'aller à la mer, ça n'a rien y comprendre. Avec les petits rubans là, toujours. Ce principe de mini-album est sympa parce que vous pouvez mettre vraiment beaucoup de photos à l'intérieur. Voyez le nombre de pages. Tes papiers sont super bien coordonnés. Je vais pouvoir mettre les photos de ma petite Mia qui est venue en vacances pendant 3 jours à la maison et je peux vous dire que ça déménage. Il est super joli ton album. Oh là là. Vous voyez toutes les pages qu'il y a. Bien sûr, sur ce genre d'album, vous pouvez mettre des photos, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire vos propres tamponnages dessus, tout simplement pour faire des petites créations avec vos tamponnages ou garder un souvenir de tout ce que vous avez en tampon. Il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez, la structure est collée que sur un bord, devant, ce qui permet d'avoir une grande souplesse. Si elle avait collé sa structure également ici, au bout d'un moment, ça aurait coincé. Il aurait fallu qu'elle rajoute des goussets à l'intérieur. Moi, souvent, c'est ce que je fais, hein. Je colle mes structures d'album que sur un côté. Ça permet vraiment de pouvoir ouvrir à plat vos albums photos et de pas galérer à calculer les hauteurs de gousset. Enfin, il est très très beau cet album. J'aime beaucoup ton petit papier avec les encres. Merci beaucoup Muriel, mais elle s'est pas arrêtée là. Bah non, bah non, bah non, bah non. Mon pense-bête. Ben oui, pour celles qui ne le savent pas, j'ai des petits problèmes de mémoire et j'oublie beaucoup de choses. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a juste cherché pendant 2 jours la télécommande au moment des Jeux Olympiques, on n'avait pas de télé parce que une télé sans télécommande, ça ne fonctionne pas. Mais mon fils a fini par la retrouver. Hein, et pour une fois, elle n'était pas dans le congélateur. Hein. Non, non, elle était juste dans le scellé. Regardez ça. Ah, c'est super comme idée. En fait, elle a fait des petits découpages. Elle a ancré. Elle a tout collé, mais juste sur la tranche. Et comme ça fait des post-it. Super sympa le principe. Et comme ça, j'ai une petite pochette à post-it. Oh, très bonne idée. J'adore, j'adore. Mais moi, le problème, c'est qu'il faudrait que les post-it, je les colle sur mon nez parce que même là, j'arrive à oublier. Oh là 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 là, regardez ça. Mais c'est trop, trop beau. Le travail qu'elle a fait sur sa couverture. C'est vraiment super harmonieux. Elle a collé des choses en 2D, 3D. Elle est venue ancrer les bords.
Elle a fait tout un travail de relief. C'est trop, trop beau. Bon, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle a caché à l'intérieur? Parce qu'avec Muriel, je m'attends à tout. Oh, puis regardez ce ruban assorti avec les petits cœurs violets. Tout mimi, tout mimi. Oh, c'est une pochette avec des petites boîtes. Alors, ici, il y a des mini pochettes dans lesquelles vous pouvez mettre des petits tags. C'est mignon tout plein. Puis tout est coordonné avec les violets là. Oh, c'est mignon. Les petits tags ici également. Et regardez là, il y a des petites boîtes. Toujours super bien assorties, des choix de papier, mais oh, j'adore. C'est des petites boîtes façon boîte d'allumettes. Elle m'a mis des embellissements en bois. Oh là là, mais fallait pas. Et là, également des jolis embellissements en bois avec des cœurs, des soleils. Non, mais je suis bien trop gâtée, hein. C'est très très joli cette petite pochette cadeau. Alors normalement, à partir de la rentrée, je vais vous proposer pas mal de tutos avec des petites choses à réaliser, pas super compliquées, mais que vous pourrez offrir soit à Noël, soit pour des anniversaires. Donc on est un peu dans le thème, hein. C'est incroyable ça, le nombre de choses avec Muriel. Où on se dit, mais c'est pas possible, les coïncidences, on pense aux mêmes choses au même moment. C'est étrange, c'est étrange, il n'y a pas d'autre mot. Et elle m'a fait un superbe marque-page checker. Regardez ça. En fait, je ne sais pas trop si c'est un marque-page ou si c'est pour offrir les petites breloques à l'intérieur. Ah non, mais moi je vais m'en servir comme calmant. Vous écoutez la musique et ça vous calme, moi je trouve. Oh, c'est trop trop beau. C'est comme Muriel me dit, je t'envoie un petit truc. Ben non, il n'y en a pas un petit truc. Il y en a cinq, Muriel. Faut apprendre à compter, comme dit Mia. Un, deux, trois, quatre et cinq. Mais il y en a une autre qui ne sait pas compter. Vous allez voir ça. Mais alors accrochez-vous bien les yeux. C'est tellement énorme que j'ose à peine vous le montrer. Mais bon, je descends. Nous voilà dans ma partie salle à manger. Alors ça, c'est un home déco que j'avais fait il y a longtemps. Vous voyez, il y a déjà deux poulettes. Le hasard fait bien les choses. Et il y a la petite chouette en Bergamo que l'une d'entre vous m'a offert et je l'adore et donc je mange toujours devant ma petite chouette. Je l'adore trop. Comme quoi, je garde bien vos affaires. Dans mon salon, j'ai un magnifique œuf et dans ma scrap room, il y a plein de choses qui sont à vous. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. Non, non. J'ai été contactée par Jamila qui arrêtait le scrap pour différentes raisons et elle me proposait de récupérer quelques bricoles qui lui restaient. Alors voici ce que Jamila appelle quelques bricoles. Vous êtes prête? Non, je vous assure que vous n'êtes pas prête. Attention. Je m'éloigne pour que vous puissiez voir. Regardez ma table de salle à manger. C'est quand même une table pour 6 personnes à l'origine. Elle est blindée. C'est simple, il y a tellement de choses que je n'ose même pas vous montrer, tellement j'ai honte d'avoir reçu tout ça, mais Jamila, mais tu es une folle. Alors attention, hein, dans ma bouche, être folle, c'est un grand compliment, très grand compliment, mais quand elle est arrivée avec une boîte, bah, j'étais super heureuse, mais ce n'était pas une boîte, non. C'était quatre grandes boîtes et deux sacs. Tout n'est même pas sur la table. Il y a de tout, des rubans, des stickers, des papiers, du carton, des pochettes pour plastifieuses, des mousses pour faire les ancrages, il y a des encres, il y a des rangements qu'elle a fait elle-même et qui sont super. Il y a des paillettes, il y a de la colle, il y a de quoi faire de la neige.
Il y a des fleurs également, des washi, des toiles à colorier, plein de papier pailleté. Il y a également plusieurs blocs de 3D die-cut. Et ce que je préfère, c'est toute une pochette où elle a créé des fonds. Et ça, je vais les garder précieusement en souvenir de Jamila, mais je les utiliserai puisque ce qu'elle veut, c'est que ses affaires servent. Et ne t'inquiète pas, ça va servir. Il y a également de la dentelle. Enfin, elle m'a bien trop gâtée. Il y a également plein de papier de soie. Oh, j'adore le papier de soie. Puis alors celui-là est trop trop beau. Regardez celui-ci aussi. Et je ne vous montre pas tout, hein. Il y en a plein, plein, plein. Et Jamila était très organisée. Je vous montre ça parce qu'on ne sait jamais trop comment organiser ces chutes de papier. Alors moi, pour tout vous dire, c'est en vrac dans une boîte. Mais Jamila a utilisé des systèmes de classeurs. Et je trouve que son système est bien pratique. Vous voyez, comme ça, elle retrouve facilement ses chutes par couleur. Donc, bien sûr, je vais lui redonner ses classeurs, mais je vais adopter son mode de rangement. Parce que moi, dans ma boîte, au final, je ne trouve plus rien. Tandis que là, c'est bien organisé. On veut un peu de violet, ben, paf, on va chercher le violet. On veut les papiers imprimés bleus, paf, on a les chutes. Oui, je dis beaucoup de paf en ce moment. Oh là 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 là, mais c'est vraiment un truc de ouf. Je ne vous montre pas. Il y a également un massicot, une machine pour le foie. Enfin, c'est bien trop, bien trop, bien trop. Franchement, j'en suis pas revenue. Et le hasard, en plus, a fait qu'elle est venue m'apporter les choses le jour de mon anniversaire. Donc c'était l'apothéose du jour d'anniversaire. Alors bien sûr, je vais partager ça avec ma petite famille, puisque j'ai contaminé tout le monde dans la famille, ma belle-fille, la copine de mon fils et la maman de ma belle-fille. On va se répartir les petites choses, et puis il y aura des choses que vous récupérez peut-être lors d'un prochain concours également, ou lors de petits envois ou petites surprises. On verra ça, comment on va s'organiser. Jamila, t'es une trop trop belle personne. Voilà, on termine sur cette bonne note. Je tenais vraiment à vous remercier du fond du cœur, que ce soit toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails très touchants pour mon anniversaire, celles qui m'ont fait des superbes créations, et bien sûr Jamila pour son cadeau exceptionnel. Franchement, j'ai une communauté en or. Restez comme vous êtes, les filles. Profitez un max de l'été qui arrive enfin. Et on se retrouve très très vite. Et là, ça va être une vidéo très très sérieuse sur les dangers du scrap. Oui, les filles, le scrap peut être dangereux. Je vais vous le prouver. En attendant, portez-vous bien et ciao, ciao!